Vous avez voté sur les réseaux sociaux il y a quelques mois pour la couverture variante de Vampirella par Marc Millar. Et c'est celle que vous avez choisie à l'unanimité, ça a écrasé les votes. C'est celle de David Finch. Et ben la voilà imprimée dans l'album Vampirella qui vient de sortir sur originalcomics.fr. C'est une édition spéciale, il y a seulement 200 exemplaires, c'est hyper collector. Et c'est la couverture de David Finch. Ça c'est la couverture régulière, la couverture que vous trouverez dans le commerce si jamais votre libraire vend du graphique. Vous êtes plein, s'il ne le vend pas, il peut s'adresser à Original Comics Distribution, vous le savez, qu'on distribue maintenant aussi ces comics-là. Au libraire, il faut que l'info circule, parce qu'on est en train on a nos premiers clients, on est ravis, mais il en faut toujours plus, vous le savez. Cette couverture, donc, les collecteurs, il n'y en a que 200 exemplaires, c'est signé David Finch. C'est du Marc Millar à l'intérieur, le Marc Millar d'avant, bien entendu. Le Marc Millar d'avant Millar World, avant Kick-Ass, avant Jupiter's Legacy, avant Kingsman, avant Marvel, avant DC, avant Red Son, avant Civil War, il a œuvré, on retrouve sa patte, on retrouve ses dialogues, on va un petit peu rentrer dedans. Le dessin est absolument sexy, c'est Mike Myers qui dessine, le dessinateur de Star Wars qui a fait notamment des one-shots magnifiques sur Star Wars. Voilà, c'est très sexy, c'est très beau, et la couverture est hyper collector. C'est le résultat de vos votes, vous avez voulu celle-là, donc maintenant, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il suffit de la commander sur originalcomics.fr, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut !